Ouais, vous avez remarqué, ouais, je me suis coupé les cheveux. En même temps, c'était trop chiant aussi, franchement, comprenez-moi. Salut à tous, les gens, c'est Anakin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, voilà, vous avez vu sur le titre. En fait, aujourd'hui, je vais vous dévoiler mes projets pour 2021. Alors, pas entièrement dévoilés, hein, évidemment. Il y a des trucs qui resteront top secret, tout ça. Donc voilà, donc j'avais envie de vous partager avec moi mes projets pour 2021 et aussi quelques annonces négatives ou positives. Putain, le soleil me casse les couilles. Déjà, désolé, les gens, le soleil vraiment me casse les couilles. Mais avant de commencer à passer aux annonces et tout ça, etc., j'ai envie de faire la promotion d'un truc, c'est mon site internet. Pour ceux qui me suivaient à l'époque sur mon serveur Discord, qui est aujourd'hui supprimé parce que bah il était trop inactif et je me plaisais pas trop dedans, j'arrivais pas trop à suivre, ça me saoulait un peu de me prendre des gigas avant à chaque fois que je postais une annonce. Pour ceux qui me suivaient à l'époque sur Discord, vous saviez que je postais régulièrement des annonces comme quoi le site avait évolué et tout ça. Et donc bah j'ai décidé carrément d'en faire ma promo sur cette chaîne YouTube pour être vraiment sûr que tout le monde soit au courant de ça. Donc j'ai créé un site internet sur lequel vous pouvez retrouver tout mon setup. Vous pouvez retrouver absolument tout sur le setup, mon bureau, mes écrans. Voilà, vous avez absolument tout. N'hésitez pas à aller y faire un tour, ça me ferait très plaisir déjà. Parce que c'est un truc où je prends énormément de temps à produire. Ce qui est le plus intéressant pour vous sur ce site, c'est que vous pouvez retrouver mes futurs achats. Par exemple, là par exemple, si vous n'êtes jamais allé sur mon site, vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai envie d'acheter pour les futurs vidéos unboxing par exemple. Bah là vous pouvez, c'est dans la catégorie mes futurs projets. Et donc bah, vous pouvez retrouver tous les produits que je souhaiterais acheter pour améliorer le setup, améliorer la qualité des vidéos, tout ça. Donc les amis, on va pouvoir directement commencer à parler un peu des annonces et des projets aussi, parce que c'est ça que vous attendiez. Les gars, on va commencer par les annonces négatives, parce que malheureusement, ouais, j'en ai pas mal pour cette fin d'année 2021 et début 2021. Bah déjà, c'est que faut savoir que pour produire des vidéos unboxing, oh, le soleil qui se couche. Déjà, pour produire des vidéos unboxing, ça coûte cher. Vous voyez, un PC ça coûte cher, des produits ça coûte cher. Surtout que moi je veux le meilleur rapport qualité prix, donc même si c'est un rapport qualité prix ça coûte quand même assez cher. Et en ce moment j'aurai beaucoup moins d'argent. Les vidéos unboxing sur la chaîne se feront de plus en plus rares, malheureusement. Ouais, je suis désolé, je peux rien y faire là-dessus. Et les produits et tout se feront un peu plus rares, les vidéos un peu plus rares, tout ça. Donc restez quand même abonné parce qu'il y aura quand même des vidéos. Mais déjà que de base ma chaîne n'est pas très active, mais là du coup pour 2021 je pense pas qu'elle le sera plus. Enfin je pense même qu'elle sera moins. Et donc la deuxième et la dernière annonce négative, c'est que malheureusement j'ai eu un conflit avec mon Dizzy récemment. Des histoires je vais pas vous raconter, voilà, c'est nos vies privées tout ça. Donc du coup bah personnellement j'ai décidé de me séparer de lui. Donc du coup pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que du coup il y aura plus mon caméscope pour me filmer tout ça pour en tant que deuxième caméra. Donc du coup je serai obligé d'utiliser la caméra à 60 €. Voilà, vous pouvez le retrouver sur le petit ici. Donc voilà, la qualité sera pas forcément très très ouf, mais du coup on va devoir faire avec. Maintenant parlons des annonces positives, parce que tout de même il y en a. Au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est-à-dire le 31 décembre, tout à l'heure je vais aller chercher mon colis. Ce colis c'est un micro. Voilà, j'ai acheté un micro Yoto récemment. Donc c'est un bon micro. J'ai regardé sur internet, il y a beaucoup d'anglais, d'américains qui en parlent, c'est que ça doit vraiment pas être de la merde. Voilà, c'est un micro qui coûte 50 €. Donc aujourd'hui je vais aller chercher. Je sais pas quand est-ce que je tourne la vidéo, parce que vous en doutez, si je suis ici c'est qu'il y a mon frère chez moi et que je veux pas tourner avec lui. Donc je sais pas quand est-ce que je vais vraiment tourner la vidéo. Je dois tourner également aussi la vidéo du processeur, parce que ça fait longtemps que j'ai ce processeur et que j'ai toujours pas tourné cette vidéo. Comme du coup je vous ai dit, on a eu des conflits avec Ondizi, tout ça, les projets autour de cette vidéo sont un petit peu annulés, tout ça. Donc j'ai dû retravailler un petit peu comment j'allais fonctionner pour faire la vidéo de ce processeur. Et enfin les gars, la dernière bonne nouvelle à vous d'annoncer, c'est que après un an d'acharnement pour avoir le PC, je vais enfin pouvoir le monter, mon PC. Enfin, ce jour est arrivé, les gars. Ce jour est arrivé après un an d'acharnement, après un an de travail. Parce que faut savoir que l'argent, je le gagne pas, genre comme ça. Oui, papa, maman, vous pouvez me donner de la thune. Oh, merci, c'est gentil. Non, vraiment, faut savoir que je bosse quand même avec mon père et tout. Je l'aide sur son travail, ma mère aussi, pour essayer de gagner de l'argent. Donc, j'ai quand même bien douillé hein, pour ce PC. Oui, oui. Donc voilà, donc je suis enfin content de pouvoir monter. S'il vous plaît, les oiseaux là. Donc voilà, je suis vraiment content de pouvoir enfin monter ce PC après des mois d'attente en fait, parce que je vous mets l'eau à la bouche à chaque fois, mais ça vient pas. Donc du coup, ça doit être hyper chiant pour vous. Mais là, je vous le dis clairement, je vais tourner la vidéo montage PC enfin. Mais il y a un problème, il y a un mais. Malheureusement, vous le savez, il y a des problèmes de livraison au niveau de la carte graphique, des processeurs, des consoles même en général. Donc du coup, j'ai commandé ma carte graphique, hein, je l'ai commandé le 3 décembre 2020.
Pourquoi je rajoute 2020 forcément? C'est 2020. Et au jour d'aujourd'hui, le 31, je ne l'ai toujours pas. Donc pour ceux qui veulent savoir, ma carte graphique, c'est une GTX 1650 Super. J'ai réussi à me la précommander du coup. Donc faut que j'attende en fait que les cartes graphiques soient restockées. Hein. Donc là où je veux en venir, entre autres, c'est que du coup, sur le montage PC, au début de la vidéo, il n'y aura pas la carte graphique. On la verra pas. On verra la carte graphique dans la deuxième partie de la vidéo. Voilà, j'en ferai également une vidéo unboxing à part, je pense, ou dans la vidéo. Je sais pas trop en vrai. J'hésite encore, mais je pense faire une vidéo dédiée pour la carte graphique, quand même un composant très important pour un PC. Donc voilà, c'est pour vous prévenir que dans la première partie de la vidéo, il y aura pas la carte graphique. Mon PC marchera uniquement avec le processeur, la carte mère, tout ça. Donc voilà, les annonces ont été faites. Maintenant, on va pouvoir en venir au projet. Donc déjà comme projet, j'ai évidemment l'intention d'améliorer la qualité des vidéos. Déjà il y a le micro qui va arriver, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Mais j'aimerais également m'acheter une vraie bonne caméra en 4K tout ça. Mais bon, ça va falloir peut-être attendre l'année prochaine parce que ouais bon, 400 euros, ça va attendre un petit peu je pense. Donc voilà, je vais essayer quand même d'améliorer le setup au fur et à mesure de 2021. Voilà, changer des petits trucs, faire des petites vidéos unboxing tout ça tranquillement en fait. J'ai un deuxième projet du coup avec ce PC. Du coup, même sans carte graphique d'ailleurs, je pourrais streamer. Enfin, j'avais dit dans la vidéo la dernière fois que j'étais venu ici que j'allais streamer avec ma PS4 et tout, on allait discuter. Mais je l'ai pas fait parce que finalement ça me faisait quand même carrément chier de pas pouvoir jouer à des jeux. Du coup, comme j'ai pas ma carte graphique, je vais faire des streams certes, mais je pense faire des petits jeux. Donc voilà, donc du coup je streamerai sur mon PC. Je sais pas si j'arriverai à faire des jeux, si j'arriverai à quoi, à faire au moins un petit jeu, je sais pas. J'essaierai de stream avec mon PC sans carte graphique. Ouais, vraiment ça me saoule un peu que la carte graphique soit pas là, vraiment ça me casse les couilles. Voilà, donc je streamerai sur Twitch. Voici mon lien Twitch. Voilà, n'hésitez pas à me suivre, voilà, à me follow. Je sais pas quelle date je streamerai. Voilà, suivez ma chaîne Twitch, voilà, restez connectés. Je vais essayer de vous dire ça dans une prochaine vidéo. Maintenant, je vais vous parler de mes deux plus gros projets pour 2021. Déjà, le premier projet, c'est un truc genre vraiment énorme. Donc c'est un projet qui arrivera pour juin 2021, que je fais avec des potes, tout ça. Donc je ne vous dis rien. Sur ces deux projets, je vais rien vous dire, je vais juste vous dire ça arrive tant. Mais et là donc ça va arriver pour du coup juin 2021, voilà, pour les grandes vacances en fait de 2021. Et j'ai un autre projet que je fais tout seul depuis le conflit avec Condizy. Je le fais tout seul, de base ça devait être avec lui. Pour le coup, lui, il va prendre vraiment bien un an et demi, voire même 2 ans, si vraiment j'y tiens beaucoup à ce projet. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre, je pense, 2 ans avant de savoir c'est quoi le projet. Je pense que je ferai des annonces, des trucs, tout ça. Voilà, le projet, il arrivera entre vos mains, entre guillemets, bien dans un an et demi. Je vous dis rien. Voilà, là, je suis en train de vous mettre l'eau à la bouche, tout ça. Malheureusement, il va falloir être très patient avec ces deux projets. J'espère qu'ils verront le jour. C'était pour mes annonces et mes projets pour 2021. Je ferai peut-être une deuxième vidéo sur mes projets et mes annonces, si j'ai d'autres projets qui arriveront, si voilà, il y a d'autres choses qui m'intéressent, que j'ai envie de transformer en projet, tout ça. Donc, pour l'instant, c'est mes projets actuels. Pour l'instant, j'en ai pas d'autres. Mais je pense retourner une vidéo si jamais j'en ai d'autres. Donc, du coup, les amis, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est qu'à n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre le vert, voilà, mettre un commentaire, à partager la vidéo. Moi je vous souhaite une très bonne année à tous. Voilà, je sais pas si j'arriverai à sortir cette vidéo pour le 31 décembre, parce que aujourd'hui, là où je tourne cette vidéo, on est le 31. Donc voilà, je vais essayer d'un petit peu rusher le montage, donc désolé si c'est un petit peu mal fait tout ça, mais je veux vraiment que cette vidéo soit la dernière de l'année. J'espère que cette année va se passer beaucoup beaucoup mieux. Il y a des vidéos qui arrivent, j'en ai déjà parlé, commence l'année déjà avec une amélioration de vidéo tout ça. Donc bref, nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Bonne année, voilà, bonne santé à tout le monde, à votre famille, tout ça. Salut! MDR, je viens de casser mon trépied.